test let's play de Probotector sur Game Boy, donc un jeu qui est sorti en avril 92, testé dans les magazines Player One de octobre 92. J'ai eu un peu de mal à le trouver dans les magazines de l'époque. Donc en fait, le rédacteur parle surtout à la première personne, comme quoi il avait vécu une aventure un peu comme beaucoup de tests de l'époque, hein, et ils racontent ce qu'ils ont vécu. Donc il dit que le jeu est très très difficile, un des plus durs sur la Game Boy. Voilà, il y a des niveaux horizontaux, verticaux, que c'est un beat'em up, donc ça par contre, voilà, il ne parle pas d'un run and gun encore. Il a été noté 85%. Donc voilà, graphisme 90%, son 65%, alors que je trouve qu'il a une excellente bande son. Donc voilà, la cotation actuelle de Probotector, donc en août 2020. Donc on peut voir que la version européenne est à 20€ à peu près. Voilà, dans l'ensemble. Donc là, je vais regarder dans objets vendus. Voilà, donc c'est pareil, un petit peu moins cher, c'est parti un peu moins cher dans les 15€. Voilà, moi je l'ai eu dans les 15€, je crois, frais de port compris, sur eBay. Et donc la version américaine est beaucoup plus chère. Là on peut regarder en achat immédiat, là je me suis trompé. Opération C, il trouve pas, donc j'ai mis Opération C Game Boy. Donc voilà. C'est plus dans les 35-40€. Donc moi, au départ, je cherchais plutôt cette version. Ouais, j'aurais dû chercher en premier la version Probotector. Et du coup, on va regarder dans objets vendus. Voilà, plus 30€, quoi. Entre 30 et 35€, 35-40€, quoi. Voilà, les amis, on passe au let's play. Oh là là! Fais chier, quoi. Putain, il est pas dur, hein. Je sais pas pourquoi je fais que de la merde, quoi. Il est vraiment pas dur, quoi. Putain. Fais chier. Et hier soir, quand je suis arrivé... Oh non, il est en haut, le machin. Ah ouais, d'accord. Putain, excellent. J'ai chaud, là. Ah ouais, bah super hard, ouais, laisse tomber. Bah, même DGJX, il l'a pas terminé en super hard. Ouais, c'est ça, Palcom, ouais. Ça, ils ont pu faire plus de jeux. Éditer plus de jeux. C'était un peu con leur truc, hein. Le mec, ils avaient juste à changer de nom, puis ils distribuaient plus de jeux, quoi. Oh, mais putain, mais à chaque fois je le prends, mais arrête de tirer, quoi, sérieux. Putain, c'est fou, ça, de... Le mec, il voit un item, faut qu'il tire, quoi. Ça m'énerve. Bon.
Bon, on va essayer de pas faire le con comme tout à l'heure. Ça serait plus simple si j'avais le... Ah. Off. Je saute dans tous les sens, moi. Ah, plus qu'un, il va descendre. Alors là, faut que je fasse gaffe, voilà, il y a des ennemis. Ah, il y avait la tourelle. Je crois que j'avais niqué la tourelle. Voilà. Bon, j'ai pas perdu de vie. Le double S, c'est bon ça. Brrrr. Oh, je vais... Oh, si, je vais l'avoir, le H. Ouh, ouh, ouh. C'était chaud. J'ai failli le louper. Bon, tu joues à quoi, Tayane, en ce moment-là? Tu joues à FF... FF11? Ouais, moi aussi j'ai hâte là, je pense que... Voilà, pour moi le mois de septembre en termes de gaming il va être chargé là. Parce que, on voudrait se refaire, enfin on voudrait se faire les DLC de Dark Souls 3 avec mon frère là. Et puis il m'a prêté Ghost of Tsushima, donc je vais faire en mode septembre, hein, putain. Ouais, donc je vais me faire ça. Je vais être entre Ghost, Monster World et puis Dark Souls 3. C'est quoi ce truc? Il y a un gif qui apparaît là. C'est quoi ça? C'est qu'il y a mis un gif là. C'est quoi ce gif là? Un chien. J'apprends quelque chose aujourd'hui. De quoi t'apprends quoi? Non, j'ai remis en pause le 11, je rejoue au 14. Il y a la notamment Alien Soldier. Ah ouais. Ah, il est chaud Alien Soldier. T'en es à quel stage là? Thank you.
C'est le boss requin. Ah oui, d'accord, dans l'eau, là. Ouh là là. C'était chaud, les marrons, là. Oui, tu avais Contra 3 sur SNES en version américaine et Super Protector sur Super Nintendo. Pareil pour les versions Wii. Ouais, je sais pas si c'était ce qu'il voulait dire. C'était tendu là. Je sais jouer à 2 mm. Ah non, mais pas le F. Ah, pas le F. Ouais, c'est bon. Impeccable. Ouais, le boss. Le boss du niveau. J'ai l'impression que là on peut pas le toucher là. Ça sert à rien. Quatrième stage. Bon, j'ai pas perdu de vie encore, je crois pas. Hein. Non. Bon, alors on va essayer avec le F. Ouais, 2 secondes, je reviens. Okay.
Bon, allez. Bon, je vais essayer avec le F, hein, voir si ça change. Ouais, je suis pas trop fan de cette arme quand même. Je préfère le homing quand même. Ce qu'il y a, c'est que la cadence de tir, elle est hyper faible, je trouve. Ça fait des gros dégâts, mais putain, la cadence de tir, elle est pas terrible, quoi. Ah putain, merde! Putain, quel abruti, quoi. Ah, je suis vraiment pas fan de l'arme. Hein. Bon, je vais rester sur ce que je disais. Putain, mais en fait, je viens de trouver un truc, en fait. Quand tu avances sur le machin, tu te mets tout en haut, déjà, tu meurs pas. Et l'autre du bas, il avance plus. Donc, tu restes au truc en haut. Et le machin, il peut pas te toucher, quoi. Je viens de capter un truc, quoi. Moi, j'ai perdu une vie. Non, j'ai toujours pas reçu, moi. Toujours pas. Bon, de toute façon, là, j'ai pas énormément de temps pour jouer, là, en ce moment. Plus, à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir jouer là, un peu, là. Bon, allez. Bon, je reste une dernière fois, puis après, voilà. Enfin, je finis mes continues, là. De toute façon, je commence à avoir mal au pouce là. En tout cas, c'est clair que j'ai envie de le faire. Le Monster World, je pense que ça va être sympa, quoi. Ouais, putain, il l'a reçu rapidement, lui, hein. Franchement. Impressionnant, hein. C'est vrai qu'il y a des magnifiques, quoi. Puis après, apparemment, en plus, il va pas refaire d'autres, hein. Il a écoulé les 50, hein. Putain. Parce que là, il a dit qu'il ferait les versions normales à la rentrée, donc... Il fallait vraiment
les prendre direct, quoi. J'aurais envie de prendre le S, moi, quand même. Je préfère le S. Quoi. Surtout en haut, là, il y a plus de portée, quoi. Oh, putain. Ah, j'ai cru. Oh là là, mais ça joue un poil de cul, des fois. On va dire c'est le skill. Non, je rigole. Je rigole, bien sûr. Ah, c'est marrant, des fois il n'y a pas aucun ennemi. Des fois il y en a plein et des fois il n'y en a aucun, quoi. Bon, allez. Ça serait bien, je ne perde pas de vie, je dis ça à chaque fois, mais. Putain, il y en a trois à chaque fois. Ah, hein. Oh, mais putain, non, j'allais me baisser. Putain, mais je suis vraiment nul à chier, quoi. Ça m'énerve d'être aussi nul, sérieux. Pourtant, c'est pas hyper dur, hein, franchement. C'est vraiment pas hyper dur, hein. Putain. Allez, on y croit, là. 3 vies, là. Putain, faut pas que je perde de vie ici, là. Ah, j'avais oublié ça. Putain, je crois que c'était direct, les trucs. Putain, mais c'est pas vrai. Putain, ça m'énerve. Je croyais que c'était les boules blanches, moi. J'avais oublié ces trois tourelles, là. Putain. On va faire comme ça. On va pas se presser. Voilà. Et puis là, on y va. Voilà. Oh non, il en restait une. Mais putain, c'est pas possible. Oh, j'ai regagné une vie, putain, et j'aurais pu. Ah, putain, je pouvais être à 4 ou 5 vies là. Bon, faut pas que je fasse ce con là, j'ai 3 vies là, putain, allez. Putain, mais pff, ça commence. Putain, ça y est, je l'ai eu. Foiré, je t'ai eu. Et boum. Putain, je suis content. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Ça y est, on l'a fait, les gars. Putain. Putain, ça fait plaisir. Merci, moi! Bon, ça va, il est pas dur, en fait. Hein. Putain, mais... Faut connaître ses patterns, quoi. Bon, bah, putain, je pensais le terminer plus rapidement, mais j'ai bien fait de refaire une partie, comme quoi. J'étais vraiment pas loin de tout à l'heure. Ah, puis ça fait super plaisir de terminer des jeux en live, comme ça, franchement. Un petit challenge et puis c'est ce que j'apprécie, moi, d'avoir un peu de challenge dans les jeux vidéo, quoi. Les terminer, surtout, c'est ça le plus important, et pas se dire putain je suis nul, je vais pas y arriver,
Ça sert à rien, c'est pas pour moi. Ouais, faut, de toute façon, les jeux rétro, il n'y a pas de secret. Faut persévérer. Hein. Le partage, c'est ça, il n'y a que ça de vrai. Partage de la passion. Elles sont vraiment cool, les musiques. Hein. Même la musique de fin, là. Là, j'aurais pas pensé que dès mon premier run sur le stage 5 là, j'aurais terminé quoi. Mais en tout cas c'est cool quoi. Bah du coup je l'ai terminé en un crédit là du coup. Il me semble hein. J'ai perdu quoi, une vie ou deux je crois, un truc comme ça. Ouais je regarde. Est-ce que j'ai perdu. Bah si j'ai perdu une vie contre le boss final, mais est-ce que j'en ai perdu avant? Je m'en rappelle plus. Ah, il est vraiment top, hein. Franchement. Ouais, je le préfère aux deux, hein. Moi aussi, en fait. Largement, quoi. Bon, bah, merci d'être restés, les gars. Jusqu'au bout. Moi, ça aura pas été pour rien. Merci de votre soutien, les gars. C'était cool. Ah, j'aurais fini les deux Probotecteurs sur Game Boy, là. Bah, je pense que moi, tu m'en aurais pas parlé, je me serais pas lancé là-dedans, tu vois, le Probotector 2, et puis après le 1. Ça m'a trop donné envie de le trouver. Donc voilà. Bon, bah les amis, je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! Merci Yann! Allez, salut, à plus, et passez une bonne journée. Ciao!